On retrouve pour ce match une équipe qui avait été battue lors de la dernière journée. Oui, à elle de faire oublier ce résultat et de marquer des points cette fois-ci. Alors tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours. Ça y est, on y est. Grosse affiche, grosse ambiance dans les tribunes. Les joueurs ont le visage fermé, ils sont très concentrés. C'est un grand rendez-vous. Arturo Vidal. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Touche en faveur du Barça. On s'approche un peu des buts. Nelson Semedo. Ousmane Dembélé. C'est bien joué défensivement, bien vu. Voici la composition du FC Barcelone. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Ouais, ça passe loin, très loin du cadre. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Un mot, Pierre, sur deux éléments qu'on va suivre de très près aujourd'hui. Oui, ce sont deux joueurs à surveiller du fait de leur influence sur le rendement offensif de leurs équipes respectives. Ça promet un très très joli duel à distance. Ah, je me demande pourquoi il a tenté quand même. L'angle était très fermé. Ça manque de lucidité quand même. Il y avait mieux à faire. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Les 30 derniers mètres. Olivier Giroud. Mbappé en bonne position. Oh, la belle occasion! La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Ouais, à la limite, c'est presque trop tôt. Il ne s'attendait pas à se retrouver si vite en position de marquer. On va nous parler par le Barça. Les joueurs du Barça opposés à un sérieux adversaire aujourd'hui. Rapport de force assez équilibré. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être sur les coups de pied arrêtés. Blaise Matuidi. Clément Langlais. Raphaël Varane. Benjamin Pavard. Mbappé. Paul Pogba. Kanté. Clément Langlais. Benjamin Pavard. Mbappé. Kylian Mbappé. Début de carrière absolument hors norme. Quand on gagne la Coupe du Monde à 19 ans. Oh, c'est bien donné en profondeur. Non, elle est interceptée cette passe. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Jordi Alba qui a un boulevard devant lui. Antoine Griezmann. Alors finalement, ça ne donnera rien. Ah, la passe en profondeur, attention. Antoine Griezmann. Oh, il était temps d'intervenir là. Ah, très bonne anticipation sur ce ballon. Kylian Mbappé. La voie est libre pour l'attaque française. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Il a du mal à s'en sortir, on dirait. L'équipe de France qui a plutôt une tradition de jeu, on va dire, basée sur la technique. C'est vrai qu'on a produit des magnifiques meneurs de jeu, hein, Coppa, Zidane, Platini. Zidane. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Allez, l'équipe de France qui a récupéré le ballon. Mbappé. Pogba. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Olivier Giroud. Ouais, la frappe. Avec mon Pierre, ils ont failli vraiment être punis par cette contre-attaque éclair. Ouais, là il faut resserrer les rangs parce que la prochaine fois ce sera dedans. Vidal. Arturo Vidal, ça c'est un personnage, vraiment, il a une gueule. Oui, on peut le surnommer le guerrier, le roi Arthur, mais enfin, faut être fan de tatouage. Hein. Non, ça ne passe pas, l'attaque est stoppée.
De Jong. Vidal. Dembélé. Griezmann. Messi. Léo Messi, balle au pied. Et ils sont à la récupération. L'adversaire. Les Blaugrana qui ont le ballon. Messi. Benjamin Pavard. Pogba. Kanté. Blaise Matuidi. Alors c'est Barcelone qui récupère. Arturo Vidal. De Jong. Arturo Vidal. Sous la pression de l'adversaire. Antoine Griezmann. Avec De Jong. Arturo Vidal. C'est Barcelone qui perd ce ballon. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Dembélé. 2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ouais, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Important ce but juste avant la mi-temps. Importance capitale même. Psychologiquement, c'est dur à encaisser et puis surtout, ça change complètement la donne pour la seconde période. Allez, ce sont donc les Français qui mènent le score dans ce match. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Vous avez pensé quoi de la prestation d'Olivier Giroud jusqu'ici? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Coup d'envoi de la seconde période avec l'équipe de France qui mène donc au score. N'Golo Kanté. Blaise Matuidi. Et touche pour le Barça. Nelson Semedo. De Jong. Messi. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Allez, il faut trouver l'ouverture. Paul Pogba. Blaise Matuidi. Il récupère le ballon. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux. Allez, le coup franc direct, je pense, pour égaliser, pourquoi pas. Messi. Oh, parfaitement capté par le gardien. Ce coup franc ne donnera rien. Une dernière occasion, des chiffres à l'image de la rencontre. Si elle ne se montre pas un peu plus tranchante que ça, cette équipe aura du mal à refaire son retard. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui appartient au cercle très fermé. Ouais, bien joué la passe en profondeur d'Olivier Giroud. Kylian Mbappé. La frappe. Mais cette fois, il ne trompera pas le gardien. Son but de tout à l'heure lui a donné des ailes, on dirait. Piqué de Suarez. Ousmane Dembélé.
Léo Messi. Allez, continue Messi. Ousmane Dembélé. Luis Suarez. Ah oui, Luis Suarez. Oh, le but! Oh, le FC Barcelone qui égalise. Et ils égalisent donc un but partout. Griezmann, Clément Lenglet, on a atteint l'heure de jeu. Lionel Messi, Kanté, Pogba. La voie est libre, la voie est libre pour l'attaque française. Paul Pogba. Heureusement qu'il a été dévié, sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Ousmane Dembélé. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Mbappé. Antoine Griezmann. Toujours Griezmann. Ils essaient de prendre le match à leur compte. Nelson Semedo. El Suarez. Piqué. Messi. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Allez, il se pose pas de questions. Long dégagement. Clément Lenglet. Luis Suarez. Bonne passe. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Chercher une solution là. Luis Suarez. Non, c'est contré. Ballon perdu par Blaise Matuidi. Messi. Il perd le ballon. Intercepté cette passe de Blaise Matuidi. Kanté, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Il cherche des solutions là. Léo Messi. Il remporte son. Messi. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Intercepté, passe de Messi. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. En profondeur, oui, bien vu. Ousmane Dembélé. Il va y aller. Ouais, la bonne parade. Attention, ce n'est pas terminé. Le ballon qui est sorti, la remise en jeu sera pour les Blaugrana. Ousmane Dembélé. Attention, il peut centrer là. Et c'est Varane qui renvoie sans se poser de questions. Des stats intéressantes, c'est vrai que c'est souvent un joueur de Barcelone qui a le ballon. Ça pousse pas mal en ce moment car on sent que c'est maintenant qu'ils peuvent arracher la décision. Ouais, c'est dégagé, sans se poser de questions là. De Suarez. Attaquant qui décroche pour participer au jeu. Messi. Dembélé. Luis Suarez. Attention, une certaine bonne occasion de but pour Suarez. C'était une occasion nette, mais le danger est écarté. Matuidi qui récupère.
Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, il fallait sortir sur ce ballon. Excellente anticipation du gardien. Plus que deux minutes à jouer dans cette rencontre. Et peut-être un bon ballon à jouer pour le Barça. Un but, ce serait sans doute gagné. Un très bon ballon là pour le Barça. Peut-être celui de la victoire. Occasion de prendre l'avantage. Ils s'en sortent hein, sur ce coup-ci. Mais il y avait un petit peu le feu quand même. Clément Lenglet. Raphaël Varane. Benjamin Pavard. Mbappé. Et c'est fini à l'instant. Le match qui s'achève donc sur ce score nul. Alors pas de panique, on est qu'en début de saison, mais ce petit point ne fait pas franchement leur affaire au classement. C'est vrai, ils font plutôt du surplace qu'autre chose. Tiens, on revient en deux mots sur la prestation de Luis Suarez. C'est lui, grâce à son but inscrit, qui permet à son équipe d'arracher le nul. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, en tout cas, sur ce match. Il a fait du mieux qu'il a pu, enfin, c'est ce que je pense.